la 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 the holy flare yourself, she will low, some will low, sing for the holy flare yourself, she will low, some will low, sing for the holy flare yourself. Hi, 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 lay, 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 première colonne, Shosham Kedelavol Yadam Nesagate Lokuyot. Qui bevada yesh botov, qui shoresh atzimtsumi vasichlim, hanal Shosham Tov, Kedelavol Yadam Nesagate Lokuyot. Maintenant, il ne s'agit pas de tout jeter, de jeter tout ce monde à la poubelle, parce que Hachem, il a créé toutes ces structures-là, tout ce qu'il a mis en place, c'est pour qu'on puisse le trouver. Donc, tout ce système-là, dans le moindre détail, il est Tov. C'est-à-dire qu'il est plein d'éléments tov. Ce n'est pas du ragamour. C'est l'exploitation qui est pas bonne. C'est ce qu'on en fait. Mais la chose elle-même, elle est porteuse de bien. C'est-à-dire qu'elle peut amener vers le bien la personne. Elle a été faite pour ça. Sinon, on est perdant d'avance. Donc la chose, elle a été prévue comme une infrastructure et quelque chose qui va nous amener vers la gloire d'Hachem, vers le pouvoir d'Hachem. Maintenant, à nous de voir comment on va l'utiliser. Mais ne croyez pas que c'est comme il a dit M. Cohen l'autre fois, mais c'est quoi? C'est des avodotes de tzadikim. Mais dans notre génération, ce n'est pas des avodotes de tzadikim. C'est vrai qu'il y a eu des générations où c'était des avodotes de tzadikim. Mais dans notre génération, ce n'est pas des avodotes de tzadikim parce que nous-mêmes, on a été tellement délavés par les galouillottes qu'on a passées, qu'on est prêt à ça aujourd'hui. C'est pas qu'on est prêt à ça, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous intéresser que ça. Il n'y a que ça qui va nous aider à nous en sortir. Maintenant, vous prenez dans l'histoire, on a parlé l'autre fois de Yaakov Avinu, mais vous voyez, même Yaakov, il s'est trompé. Même Yaakov, il a vu Rachel, il a vu la Torah, il dit, mais c'est super la Torah, c'est beau, c'est magnifique les Chidushé Torah et tout. Et il a fallu qu'il travaille 14 ans avant de se marier avec Rachel. Au bout de 7 ans, on ne lui a donné que Léa, on ne lui a pas donné Rachel. Rachel s'est mis 14 ans pour l'avoir. C'est-à-dire que pour arriver à avoir accès à une Torah qui a en même temps le côté esthétique du monde, c'est-à-dire qui reflète dans tout ce qu'il y a dans la matière, il faut travailler énormément. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Alors les gens, ils voient la Torah, c'est beau. Les chidushim de Torah, c'est beau. Étudier, c'est beau, ça amène l'esprit, il découvre des choses, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on y a accès. Lui-même, Yaakov, il est arrivé à l'endroit du Beth Amikdash, il ne l'a pas vu. Il a fallu qu'il dorme, il ne dormait jamais. C'est le seul soir où il a dormi dans sa vie, il a vu l'endroit du Beth Amikdash et les Khorbanot qu'il allait avoir aussi. Il allait avoir le premier et le deuxième Khorban du Beth Amikdash. Tout ça, il l'a vu en dormant, c'est-à-dire en rentrant dans l'obscurité, en rentrant dans la matière. Alors ce qu'il n'avait jamais fait, jamais il a voulu, Yaakov Avinu, il ne voulait pas rentrer du tout dans la matière, ça ne l'intéressait pas.
Il s'est déguisé en Esav, mais c'est lui, il n'était pas du Esav, ça n'intéressait pas du tout le union de Esav. Mais il était obligé de passer par là. Il ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, ce défaut d'approche, on l'a nous aujourd'hui à notre niveau, c'est toujours le même défaut, c'est le même problème. On nous présente Rachel, ça nous intéresse, Léa, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de bosser 14 ans pour arriver ensuite, après, à pouvoir avoir accès à l'étude de la Torah avec de la Gdusha, de la Tahara, de la Simcha, des bonnes midot, etc. On aimerait y aller directement. Alors maintenant, il y a une méthode et il faut passer par la méthode. Maintenant, celui qui va être qui va s'occuper le mieux d'appliquer la méthode dans l'Olam Hazeh, il va en sortir dans la matière, il va en sortir très rapidement. C'est-à-dire, il va en sortir, il va la maîtriser. Il va la maîtriser, c'est-à-dire il va l'utiliser que pour la gloire d'Hachem, pas pour autre chose. Il arrivera un moment, on ne pourra plus le tenter, ni par l'argent, ni par la nourriture, ni par les femmes, ni par rien du tout. Ça ne l'intéressera plus. Pourquoi ? Parce qu'il a fait il a travaillé, il a nettoyé. À chaque fois, il a nettoyé. Jusqu'à qu'après, ça y est, ça ne l'intéresse plus. Ce monde, il ne l'intéresse plus. Il va utiliser dans ce monde que ce qu'il faut, c'est-à-dire il va manger pour se nourrir, il va travailler pour la Parnassa, il va se marier pour avoir des enfants. Chaque chose, elle va avoir un sens simple, c'est fini. Il ne va plus en faire, il va pas en faire de la culture grecque ni romaine de ces éléments-là. Il va simplifier toutes ces choses-là. Donc, hein ? Pas Volvo. Non, il peut avoir une Volvo, mais si la Volvo pour vous, c'est comme un Solex, c'est pas de problème. Si un jour ça devient pour vous comme un Solex, c'est pas de problème. On dit une fois, il y avait des Breslever qui étaient, ils ont été à Méron, il y avait de l'autre génération, il y avait Rav Levi Yitzhak, il y avait Rav Shmuel Shapira, et ils avaient l'habitude, tous les Rav Rosh Chodesh, d'aller à Méron. Alors ils étaient comme ça, 4 ou 5 dans la voiture, ils ont été à Méron, et la voiture, elle a eu un accident, elle se retournait. À un moment, ils se sont retrouvés à l'envers, c'est-à-dire ils avaient la voiture au-dessus de leur tête, quoi, Alors, Rav Shmuel Shapira, il était comme ça, il a dit non, Hashein Cheder is Boedus, il a dit c'est une belle pièce dite Boedus, il s'est mis dans un coin, il a commencé à prier, tout faire dite Boedus, comme il avait l'habitude de faire, en attendant que ça se bouge, que les gens viennent, qu'ils les fassent sortir, etc. Il y a du temps qui passait, il fallait faire quelque chose, il ne fallait pas rester. C'est des gens qui avaient une maîtrise, vous voyez, qui tenaient les mouvements de la matière. Quand vous faites du cheval, quand vous montez sur un cheval, c'est tellement grand, tellement lourd et tout, vous ne croyez pas que vous pouvez le maîtriser. Ça fait peur. Chaque mouvement, vous avez l'impression qu'il va vous envoyer par terre. Et c'est vrai, si jamais vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour le maîtriser, il peut vous envoyer par terre. Alors c'est ce qu'il a écrit pour Rivka, Vatipol me Agamal, quand elle a vu Yitzhak, elle est tombée, elle était sur le chameau, elle est tombée du chameau. C'est-à-dire, elle a vu que ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant comme judaïsme, c'était du judaïsme de chameau, c'était pas du judaïsme de juif par rapport à Yitzhak. Yitzhak, lui, il était en train de faire Iboedout dans le champ de Hebron, et il était en train de chercher autre chose. Il était en train de chercher comment on maîtrise la matière, comment on se sert de ce monde comme un juif. On n'est pas des curés, on n'est pas des ascètes, on n'est pas des hindous, on n'est pas des... Toutes ces choses-là, on n'est pas ça. Alors quel est notre mode de vie ? C'est pas facile notre affaire, vous savez, de couper, c'est beaucoup plus facile. Ou de rentrer dedans en disant, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, on n'est pas là, il faut bien vivre, hein, on est là, il faut bien vivre, il faut bien faire, on a besoin de Parnassa, on a besoin de ça, etc. C'est pas évident parce qu'on doit prendre la chose et on doit la nettoyer comme la viande. Vous voyez, prenez la viande, vous la cachérisez, vous enlevez avec le sel, vous enlevez le sang, vous la trempez, vous la cuisez, etc. Jusqu'à ce que ça vienne et que vous puissiez la manger. Tout le Olam Hazeh, c'est la même chose. Il a besoin d'un travail. Ce travail-là, c'est d'y rentrer en prenant conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, moi je ne rentre pas, j'ai peur. J'ai peur de rentrer. Alors je préfère me mettre sur la touche et je vous attends au vestiaire. Quand vous avez fini le match, vous me prenez avec vous, on rentre à la maison. Il y a des gens qui préfèrent faire comme ça. Mais ça ils vont payer ces gens-là. Ils vont donner dîner cheshbon. Ils reviendront. Ils reviendront autant de fois qu'il faut jusqu'à qu'ils baissent la tête. Il n'y a pas, on ne peut pas. On ne peut pas,
du moment où on a été nommé dans l'équipe, un joueur, ça coûte très très cher, ça coûte des millions. Bon, c'est pas pour qu'il reste au vestiaire à boire du café et à téléphoner à sa femme toutes les demi-heures. C'est pas pour ça qu'on l'a amené dans le monde. On l'a amené dans le monde pour qu'il se mette sur le terrain et qu'il travaille. Donc maintenant, si quelqu'un se sent faible, et souvent les gens m'ont posé cette question, on dit, mais moi si je vais travailler, je tombe. Je dis, mais il vaut mieux que tu tombes, parce que tu vas voir qui tu es. Pourquoi là? Qu'est-ce que tu veux pas tomber? Pourquoi? Pour jouer à quoi? Tu veux jouer à quoi? Tu veux jouer au gars le plus fort parce qu'il n'était jamais monté sur un ring? Monte sur le ring, tu vas prendre des coups, tu vas sortir avec les yeux au beurre noir, avec le nez cassé, etc. Et puis après, tu vas commencer à avancer, c'est tout. A dit non, mais c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de rabbanim qui disent non, c'est dangereux d'aller travailler, etc. C'est dangereux pour qui? C'est dangereux pour quoi? C'est dangereux pour un juif faible dans ses convictions? Alors tu as qu'augmenter tes convictions. Et quand tu vas prendre un coup une fois, deux fois, trois fois, après tu vas commencer à t'énerver. Tu vois que le gars était le premier ring, il t'a fait mal. Toi tu savais pas que ça faisait tellement mal. Tu n'as pas réagi tout de suite. Et au deuxième ring, tu vas commencer à réagir. Je veux dire, attends, il m'a tout pris, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de mincha, j'ai plus de trucs, j'ai plus de birkat amazon, j'ai plus les brachot, j'écoute n'importe quoi. C'est quoi ça? Où je suis arrivé à quoi? C'est quoi ce judaïsme? Alors on commence à se renforcer. Et quand on se renforce, on reprend notre pouvoir. Chaque fois qu'on se renforce, on récupère notre pouvoir. Bien sûr, ce monde-là, c'est une irida. Vous savez, vous avez fait du parachutisme. La première fois, quelqu'un, il saute. Comment on lui fait? On lui dit, regarde par la fenêtre, c'est joli, hein, le truc. Après, boum, on voit. C'est pareil. Un enfant, quand il naît, c'est pareil. Hein. On lui dit, voilà, Baruch Abba, on s'excuse. Mais bienvenue dans le club, mon ami. Il faut être mitrazek avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On est là. C'est sûr qu'on était mieux là-bas. Et que c'est beaucoup plus agréable dans l'Olam Haba avec les tzadikim, etc. Mais on est venu ici pour faire de l'argent, on est venu ici pour se remplir les poches de Gdoucha, pour pouvoir aller dans l'Olam Haba et remonter et monter plus haut. C'est pour ça qu'on est venu. Mais c'est une irida, tout ce Olam c'est une irida. Irida Gdola. Mais dans cette irida, si vous avez le mérite d'être mitrazek dans cette irida, alors vous allez arriver à des points, il y a des points qui sont des points de vitaux dans le monde, il y a Ouman, il y a Jérusalem, il y a des points qui sont vitaux. Et le jour où vous allez arriver à ces points vitaux, vous avez gagné, vous avez fait le gros lot, vous avez pris la caisse, vous avez fait tout pris. Ça y est, c'est réglé. Comme dit, je vous dirai, Shmuel Horowitz, il dit, c'est kedai de signer, de venir 9 fois en Gilgoul pour aller une fois à Ouman, dans les 9 vies. C'est-à-dire le gars, il va 9 vies avec se marier, travailler, les enfants vont tomber malades, le rhume, la grippe, les trucs, tout ça, pendant 9 fois 70 ans, pour pouvoir, une fois, il va aller à Ouman. Parce que tout ça, il va l'arranger. Il faut avoir beaucoup de simra. Quelqu'un qui a eu le souhait d'aller à Ouman, chez Rabbeinu, une fois, il doit avoir beaucoup de simra. Et quelqu'un qui va à Rosh Hashanah, il doit avoir beaucoup de simra. Mais le problème, c'est que le corps, il est tellement lourd, et la bêtise qui nous entoure, elle est tellement loin de la réalité spirituelle, qu'on n'arrive pas à apprécier la chose. Je vous l'ai dit, dans l'évolution technologique, il n'y a pas de problème. Regardez maintenant, on est là, quelqu'un écoute à Paris, etc. Vous aurez dit il y a 2 siècles à quelqu'un, voilà, tu vas être assis à Jérusalem, et tu ne vas pas pouvoir parler à quelqu'un qui est à Paris, il va te voir en même temps. Bon, c'est pas possible. Bon, comme c'est de la matière et qu'on l'utilise, donc il n'y a pas de problème pour récupérer l'évidence et s'en servir. Tandis que ça, c'est basé sur la Emouna. C'est-à-dire que le lien de Ouman, il est basé sur la Emouna. Mais Béhémet, si en approfondissant la Torah de Rabbeinu, vous voyez que c'est un maître comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et avec ça, vous pouvez comprendre que les enseignements qu'il a donnés, les solutions qu'il a données, c'est comme il n'y en a jamais eu dans le monde. Comme on dit dans la Avdala, on dit Eni Enel Yeshua Tieftar Leofrad, et qui Yeshua, Ushaftem Maim, Mima Enea Yeshua. On dit, vous allez puiser de l'eau, des sources de la délivrance. Maintenant, le Targum de Yonatan Ben Uzuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ulpan Chadat. Vous allez avoir un enseignement nouveau qui va venir de meilleurs des tzadikim qu'il y ait jamais eu.
C'est ça que vous allez puiser des nouvelles sources. Vous allez avoir les meilleurs enseignants du monde, qui n'ont jamais eu dans le monde, qui vont vous apprendre que oui, il y a Hachem dans l'Olam, et que Hachem, il est miséricordieux, et que même toi, si tu es le dernier des derniers, Hachem, il t'aime, et on peut faire de toi une merveille, une splendeur. De ce que tu étais, on peut faire de toi une splendeur. On peut faire de toi quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, il n'y a que Rabbeinu qui peut vous enseigner ça. Il n'y a que Rabbeinu qui récupère, qui gratte le fond de la marmite. Il n'y a plus rien. S'il le brûlait, il a collé, au fond, il ramasse aussi. Tout ça, ça rentre. Et les autres, non, ils vont jusqu'à la moitié où le fond, ça a collé, ça fait partie de ce qui est à jeter. Il n'y a rien à jeter. Rabbeinu, il ne va rien jeter. Rabbeinu il dit, toute la bria, tout, on va tout récupérer. Les juifs, les non-juifs, les animaux, les plantes, les pierres, la terre, la poussière, l'air, tout. Tout, on va tout récupérer. Tout, on va être metakenoto. Avec ces sikhliim-là. Avec ces sikhliim. Parce que quand tu vas utiliser, toi tu vas devenir Adam, alors l'animal, il va devenir un vrai animal. Pas un animal, si tu lui prends sa place, tu es obligé de descendre d'un niveau, comme Rabbeinu dit pour Sukkot. Il dit, du moment où tu manges, où les mikneu, Rabbeinu dit que Yaakov, il a fait pour son bétail, il a fait une soukha. Alors Rabbeinu dit que Sukkot, c'est le tikkun de Tavat Achila, que quand quelqu'un il mange comme un animal, il mange du manger animal. Donc les animaux, ils n'ont plus de quoi manger, ils meurent. Vous comprenez? C'est ceux-là, les vers, là, ceux qui sont pour la protection de la nature, c'est sur ça qu'ils doivent travailler. Ils doivent faire fermer les restaurants, c'est ça qu'ils doivent faire, parce que c'est là-bas où on tue les animaux. Parce que chaque fois que le gars il a Tavat Achila, il a enlevé le manger d'un âne ou d'une vache ou d'un taureau ou d'un mouton. Et après le mouton il meurt parce qu'il n'a pas de quoi manger. Ou c'est la vache folle ou c'est n'importe quoi, parce qu'il y a trop de Tavat Achila. Alors maintenant quand nous on se met à notre place, alors l'animal il devient un vrai animal, et la plante une vraie plante, et la pierre une vraie pierre. Et l'olam il est dans une harmonie, il a un tikkun. Et sinon, les choses sont complètement à côté. Sinon, on se comporte comme des animaux. Tout le reste, ça descend beaucoup plus bas. Avalou erev tov arev ou erev tov vara venatan yenikale ara shuprinat chokhmot chitzoniot. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Adam Harishon? Il a mélangé le bien et le mal, et il a donné au mal qui sont les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire les sciences. Tout ce qui est extérieur à la Torah, Prinat Amalek, vous voyez, il vous dit que c'est Amalek, donc Rabbi Nathan, vous pouvez l'afficher, ça. Chochmot Chitsoniot, c'est Prinat Amalek. C'est-à-dire que tout ce qui est Chochmot Chitsoniot, qu'on commence, les mathématiques, la médecine, la science, toutes ces choses-là, toute la science en général, c'est Amalek. C'est-à-dire que c'est le développement du monde et son explication sans tenir compte de l'existence d'Hachem. Normalement, si on fait de la science ou de la médecine... Ah non, mais on ne parle pas maintenant sur l'admettre l'existence de Dieu. Nous, c'est pas sur... Nous qu'on veut admettre sa présence, pas son existence. Comprenez? Quand vous allez chez un médecin religieux, vous rentrez, il dit Bezrat Hashem, j'espère que je serai le bon chaliar pour vous amener la refoua. Donc le gars, il baisse la tête tout de suite, vous comprenez? Il ne dit pas, voilà, regardez les diplômes, vous êtes venu chez moi, vous êtes tombé chez le meilleur, on va s'occuper de vous, on a les meilleurs soins. Non, vous rentrez, il dit, moi, tous les matins, je prie à Kadosh Baruch Hu d'être le bon chaliar, d'avoir le mérite de pouvoir soigner les gens. Et bien, maître, vous voyez ici, ce cardiologue chez qui je vais là, c'est extraordinaire. La simcha qu'il a, il m'a dit combien des rabbanim qu'il leur a sauvé la vie. Et malheureusement, il y en a qui n'a pas pu leur sauver la vie. Il y en a qui il n'a pas pu, que c'était trop tard. Et là, maman, il est désolé, il est cassé. Mais combien de gens, Baruch Hashem, il leur a permis de vivre encore quelques bonnes années, de faire de ce qui... Et il a de la simra de faire ça, mais il n'a aucune gava, vous voyez, aucun orgueil, rien, c'est un bout de tuyau, le gars, vous voyez, c'est un tuyau, c'est tout. C'est un tuyau, parce qu'il sait se connecter là et là, c'est tout, il n'y a pas de... Ça, c'est Chochmot Chitsoniot. Maintenant, quand Adam Harishon, il a mangé du Etzadat Tovera, il a créé l'illusion
de la déconnexion du Etzadat Tovera. Alors que s'il était rentré dans Shabbat, il y aurait une évidence de la connexion de la matière à Dieu. Et c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut faire le freelance, vous comprenez? Il n'y a plus personne qui peut venir « je suis ». Ça n'existe pas, ça. Ça ne peut pas exister. C'est fini. Le gars, il dit « je, pour Hachem, pour la gloire de Dieu, Hachem, il m'a donné la possibilité, voilà, de soigner les gens, la possibilité de rendre la vie aux gens plus agréable, de faire du chauffage, de faire de la nourriture, de faire des kélim qui fa... Hachem, il m'a donné la... » Normalement, le nom Hachem, il faut le répéter sans arrêt. Sans arrêt, c'est ce qu'ils avaient fait les Opikorsim Douman, qu'ils avaient fait un pacte entre eux, les trois, de Ishber, Elando et Wiesel, de jamais prononcer le nom d'Hachem. Pourquoi? Et dit Rabbi Nathan dans l'Agdama de Chaim Oran, parce qu'ils étaient tellement désespérés au fond d'eux de trouver un jour un contact avec la vie, qu'ils ont dit on ne va plus prononcer le nom d'Hachem. On ne va plus dire ça. Et vous voyez, Bor Hachem en Eretz Israël, combien de gens qui ne sont pas du tout religieux, mais ils disent Bezrat Hachem, Baor Hachem, Boker Tov, Baor Hachem. Le mot Baor Hachem, c'est important. Bezrat Hachem, c'est très important de dire ça, parce qu'il y a une reconnaissance. Ce que vous dites, c'est ce qu'on veut, ce n'est pas uniquement d'accepter que Hachem existe, c'est de vivre avec lui. C'est à ça qu'on veut arriver. On veut arriver à vivre avec Hachem, à être conscient qu'il nous aime et qu'il a mis tout ce monde pour nous servir, pas pour autre chose. Il n'a mis que pour nous servir, pour notre bien, c'est tout. Pour nous servir et nous faire des cadeaux, uniquement pour ça, rien d'autre. Il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucun mal, il n'y a aucune volonté de punir qui que ce soit, rien, il n'y a rien de tout ça. C'est que du bien, il n'y a que du bien dans le monde. Il n'y a que ça. Et pour arriver à ça, il faut sortir du Etzadat Tovera. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Adam Harishon? Quand il a séparé la Chochma de la Emouna, il a permis à tous les marchands de pacotis de venir de faire les marchés, vous comprenez? Le gars, il vient sur le marché, le truc, vous l'achetez dans les grands magasins, les magasins de marque, vous allez payer 500 euros. Il lui dit, voilà, le même, tu l'as à 50 euros. Voilà, je te le vends 50 euros. Mais d'où tu as eu ça? T'occupe pas, voilà, c'est le même, tu peux aller le prendre, tu le compares, c'est le même. Il dit, c'est le même, exactement le même. Chez moi, sur le marché, tu vas le payer 50 euros. Parce que moi, j'achète des stocks, des trucs, etc. Tu vas le payer 50. Pourquoi tu vas le payer 500 dans un magasin? C'est ça qu'il a fait à Adam Harishon. Il a déconnecté la Chochma de la Emouna. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? C'est venu la fête au village. C'est-à-dire tout le monde a commencé à venir. Ils ont commencé par la sorcellerie, comme Rabbi Nathan l'explique dans d'autres l'écouter à la Chod, que la science, elle vient à l'origine, c'était la sorcellerie. Après, c'est devenu la science, c'est devenu plus gentleman. Mais le début de la science, c'est la sorcellerie, c'est la manipulation des forces, de l'énergie dans la matière. C'est ça la science, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. La science, c'est le petit, c'est le bébé de la sorcellerie. C'est manipuler des kohotes. Maintenant, quand il a séparé Chochma et Emouna, alors c'est tout le monde entier, il est parti à la dérive. Bien sûr, c'est les gens, ils sont installés, ils sont montés à leur compte, ils ont fait des trucs, etc. Et ils ont oublié qu'il y a un boré olam, ils ont oublié qu'il y a un créateur. Et que ce créateur, à la fin, il va tirer la sonnerie. Il ne va pas laisser les gens comme ça. À un moment, il va tirer la sonnerie, il va dire « Halte les amis, ça suffit. Ça y est, la comédie a assez duré. Terminé. C'est terminé. Il faut que vous sachiez que « En Chochma » c'est sans « Emouna ». Comme je vous ai dit, la Gemara, elle dit « Chochma bagoim ta'amin » qu'il y a de la Chochma chez les goïms, de la sagesse, de la connaissance, tu dois être ma'amin. Mais « Emouna bagoim » il n'y en a pas. La Emouna dans les goïms, ça n'existe pas. La Emouna, ça veut dire un Dieu vivant. Un Dieu à côté de toi. Qui vit à, voilà, des gens qui sont ma'amin. Voilà, eux, les Ishmaélites. Vous voyez, ils prient, je ne sais pas, 4 ou 5 fois par jour, ils prient. Hein, 5 fois. C'est comme Yom Kippour, ils font, chaque jour, ils font 5 prières. Mais eux, de mentir, de voler et tout, il n'y a aucun problème, Bichlal. Parce qu'Hachem, il n'est pas là pour eux, il est là-bas. Ici, il n'y a pas de problème de faire tout ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de problème du tout, ils n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas le lien de la conscience de l'existence d'Hachem, dans la réalité, dans le vécu de chaque jour. Eux, ils ont, comme tous les gens qui ont de l'aïmouna, même l'aïmouna taïhoud, c'est-à-dire qu'ils sont ma'amil que dans Hachem, pas dans Avodazara, ils sont très très loin d'avoir ce contact avec Hachem. C'est un privilège du Ham Israël. Ils ne peuvent pas l'avoir, de toute façon ils ne peuvent pas l'avoir.
La seule façon de l'avoir, c'est de passer par le Ham Israël. C'est tout. Ben, c'est pas un Brit, ils n'ont pas de Brit, les Arabes. Non, c'est comme si quelqu'un s'est fait une opération de l'oreille et il a mis un truc. C'est pas le Brit, il n'y a pas de Brit. On ne peut pas parler de Brit, c'est pas un Brit. Le Brit, c'est avec Hachem. C'est comme si quelqu'un veut s'imaginer demain qu'il est l'associé de Chevrolet, d'accord ? Et là, il va s'imaginer, pas de problème. Qu'il aille chez eux, là-bas, vous allez voir qu'ils vont lui dire « S'excuse, il y a un problème, vous ne figurez pas parmi les gens qui sont propriétaires. » Ça, c'est pareil, c'est pas un bride, ça veut dire une alliance. Pour qu'il y ait une alliance, il faut être deux. Mais l'autre côté, il n'a jamais dit. Hachem, il n'a jamais dit, il n'aura jamais dit de faire l'alliance. Et ils font ce qu'ils veulent. C'est un truc, c'est une singerie, comme les chrétiens qui font la Pâque ou des trucs comme ça. Ils auraient pu inventer autre chose. Ils auraient pu inventer un schmilblick, un truc, qui se jette trois verres d'eau sur la tête le matin. C'est pas n'importe quoi, non, il faut qu'ils couillent la Pâque. Pourquoi tu dis la Pâque? Pourquoi tu copies chez nous? L'Assomption, la Pâque, les trucs, pourquoi tu copies chez nous? Tu peux pas inventer quelque chose, un peu d'originalité quand même. Déjà, si on est dans la bêtise, au moins c'est original, ça nous rapporter quelque chose. Mais là, c'est vraiment pas original de copier. Au lieu de copier, venez vers la chose et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de copier. Mais nous, notre vie, c'est la même chose. Si on n'est pas conscient qu'il y a Hachem, c'est que de la simulation, Rabbi nous dit. On simule le judaïsme, c'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est quand tu as pris conscience qu'il y a Hachem, tu le crains et tu l'aimes. Et dans tout ce que tu vas faire, tu vas avoir la crainte et l'amour d'Hachem. Dans tous tes actes, dans toutes tes pensées, dans tous tes déplacements, dans toutes tes activités. Et ce n'est pas une avoda de tzaddik, c'est une avoda de Ben Adam Pashut. À ton niveau, on ne parle pas que tu vas avoir la Merkava ou tu vas avoir des révélations d'Eliyahu HaNavi, tu vas être un juif Pashut, un juif simple, qui est conscient que Hachem existe. Et que même quand il fait des bêtises, il va pas aller trop loin, il va se calmer. Comme Rabbi nous dit, si tu manges du porc, au moins qu'il ne coule pas dans ta barbe. Au moins, et honte. Ok, tu as mangé du porc, tu n'as pas pu te retenir, cache-toi. Cache-toi, c'est tout. Tu n'as pas besoin de venir en faire une théorie, une philosophie pour faire tomber des milliers de gens dans le monde là-dedans. Pourquoi ? Pour sauf que tu puisses manger du porc à une terrasse de café. Mais cache-toi, c'est tout. N'en fais pas une théorie, tu n'as pas besoin. Ils vont importer une poule biologique d'Espagne qui a le goût du porc. Et c'est le rabbe Menzer, le grand rabbe d'Israël, qui a autorisé l'importation. Oui. Les gens, normalement les juifs, ils savent pas ce que c'est le goût du porc. C'est pas... Ils ne peuvent pas comparer. On peut leur raconter ce qu'on veut. Ils savent pas ce que c'est. Pour leur dire, non, ça a le goût de ça. Qu'est-ce que c'est? Mais penser avoir ce goût de cet animal, c'est aussi mal. C'est comme les crevettes. Hein? On a enlevé le mot. Hein? Ouais. Ça aussi, ça, le mot, il n'y aura pas le mot. Ah, par rapport à ce que vous avez dit, c'est maintenant un problème alors de mettre les enfants dans du rôle. Bien sûr, il n'y a pas besoin de mettre les enfants dans du rôle. Pourquoi tu mets tes enfants dans du rôle? Je vous ai dit, toi, ton métier, tu l'as appris où? Pas besoin de. Un juif, il a un moteur à l'intérieur. Tu comprends? Il ne faut pas regarder des gens qui sont en vélo. Tu as un moteur. Il ne faut pas que tu fasses comme le gars qui est en vélo. Le gars qui est en vélo, il doit faire ça parce qu'il pédale. Mais toi, tu as un moteur à l'intérieur. C'est une autre façon de conduire. Ce n'est pas la même vie du tout. Tu vois le Chacham et le Tam. Le Chacham, tu as vu combien de métiers il a appris? Tous les trois mois, il a pris un métier et c'était le meilleur. Bon, c'était un Chacham. Mais un juif, il est Chacham. Un tailleur juif, voilà, regarde. Regarde par exemple au Maroc, je me souviens, le roi, les vêtements, les bijoux, c'était rien que chez les juifs. Commander que chez les juifs, tu crois qu'il y a un seul juif au Maroc qui a été apprendre chez Christian Dior à faire la pas du tout. C'est un juif, il est là-bas, il est au Mela, il a appris à coudre, c'est tout. Et un autre, c'est un orfèvre, il a commencé à tailler de l'aluminium, après de la ferraille, et après il a pris sur l'or, c'est tout.
c'est son métier. C'est pas le même, ça aussi, tu vois, ce problème-là, c'est qu'il ne faut jamais oublier avec qui tu es. Tu vois. C'est le lien de la moisson de la folie, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier avec qui tu vis. Et tout ce que les gens y développent, il faut que tu saches que ça s'adresse qu'aux cyclistes, et toi, tu n'es pas un cycliste. Donc tout ce qu'ils vont dire qui concerne le vélo, tu t'en occupes pas, toi, c'est pas ton lien. Tu me prends ? Toi, tu es un moteur. Toi, tout ça, tu... Alors quand vous serez fatigué, il faudra faire une pause, tous les trucs, et boire deux verres d'eau, et les trucs, et tout. Il faut faire attention de ne pas trop transpirer, et dans les côtes. Mais tout ça, tu n'as pas besoin d'écouter, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas le même... À l'intérieur, tu n'es pas construit de la même manière. Mais c'est très difficile, parce qu'on te dit, mets-toi dedans, et sache que tu n'es pas comme tout le monde. Très difficile. Il m'a dit quelqu'un m'a raconté à Paris il y a quelques semaines, et malheureusement, il a été obligé de mettre son fils dans une école goye. Et il m'a dit, regarde, le petit, il est à l'école goye, bon, il a 15 ans, il est à l'école goye, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, à midi, il y a 10 enfants, ils viennent à la maison, ils mettent les tefilines. Il m'a dit, dans sa classe, ils sont 20, il y a 10 juifs dans la classe. Donc ils viennent tous les jours à la maison, ils mettent les tefilines, ils leur font mettre les tefilines à tous. Tous les jours, ils retournent à l'école. C'est devenu Kavua. Le gars, il a fallu qu'il aille là-bas pour sortir cela. Il est content. Parce que même le père, il ne comprenait pas. Il dit, comment, le père, il est religieux. Comment je suis arrivé à mettre mon fils dans une école comme ça, etc. Mais voilà pourquoi tu l'as mis là-bas. Parce qu'il y a des gens que jamais ils vont sortir de là-bas si on ne vient pas les chercher. Diavad, bien sûr. Mais tout, on est Bdiavad, nous, et Shmuel. Qu'on est dans ce monde, c'est Bdiavad. Les Khatrila, il n'y a pas besoin de venir ici. Tu comprends? Combien de Gilgulim on a fait? Les Khatrila, un Gilgul, ça y est, ça suffit. Combien t'as besoin de Gilgulim? C'est tout Bdiavad. C'est pas les Khatrila. C'est tout a posteriori. C'est pas a priori notre vie. Tu comprends? Quand Hachem, il te met quelque part, tu dois l'accepter. C'est tout. Tu vois que c'est comme ça, alors c'est comme ça, c'est tout. Un mal à la sorte. Là où tu te trouves, c'est comme ça. Il y a un autobus qui tombe, tu es dans un autobus, il tombe en panne, c'est comme ça. Maintenant, c'est l'autobus qui tombe en panne, c'est tout. Et tu dois faire avec ça. C'est-à-dire, maintenant, tu dois trouver quelle mitzvah tu vas faire dans cette situation-là. Toi, tu dois chercher tout de suite la connexion avec cet nouvel élément qui n'était pas prévisible avant. Tu ne l'avais pas prévu. Mais Hachem, tu ne peux pas le prévoir. Hachem, c'est que de l'imprévu, sans arrêt. Sans arrêt. Et Mashiach lui-même, ça va être le Mashiach, ça sera le plus grand coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est épuisant. C'est vrai. Mais Mashiach, il va faire le plus grand coup de surprise qui ait jamais existé. Ça va être la plus grande surprise du monde. C'est Mashiach, voilà, il est là. Personne. Comment lui, comme ça, comme Rabbeinu l'a dit, il ne va pas venir d'une famille tellement... Si tu le vois en jean ou un truc comme ça, Mashiach, tu veux dire quoi? Lui, Mashiach? Mais oui, c'est Mashiach. Je crois que Mashiach, il va avoir un... Il est obligé qu'il ait des péotes, un chapeau. Il peut être en jean avec une petite kippa en plastique ou en cuir. Ou... Ah. Obligé qu'il soit un religieux, Mashiach, d'apparence. Mais ça va être Mashiach. Et ça va être une surprise. Tous les gens, ils vont être très étonnés de ça. Maintenant, un juif, il a la souplesse de chaque situation, tac, tac, il a tout de suite remanie, tout de suite. N'importe quelle situation, on se met là. Comment on va faire là? Comment on va trouver Hachem là? Il a l'habitude, c'est la souplesse d'un juif. Il n'est pas raide. Je vous ai raconté, je dis plusieurs maasim sur ça. Les juifs qui sont raides, quand il y a des épreuves, ils se cassent. Il faut être souple. Il faut être capable d'aller dans un supermarché, de passer 2 heures à tourner avec sa femme, et pendant 2 heures, tu fais deux dédous, tu récites des Tehillim, tu demandes à Hachem de sauver le Ham Israël, que le Ham Israël mange cachère, qu'ils achètent que du manger cachère, et qu'ils le mangent avec les brachot. Et voilà, ton temps, tu le rentabilises. La situation dans laquelle tu te trouves, il faut la rentabiliser. Tu ne peux pas te lâcher. C'est vrai, M. Cohen, c'est pas facile, c'est fatigant. Mais on est dans la rentabilisation, qu'est-ce que vous voulez faire? N'importe quelle entreprise dans laquelle vous travaillez, on va vous rentabiliser, c'est fatigant de travailler.
Hachem, il a créé une entreprise qui s'appelle Le Monde, et il veut rentabiliser les gens, il veut rentabiliser son investissement. C'est un très gros investissement de fabriquer une machine humaine, c'est pas une petite affaire. Donc là, on est dans le monde systématique, quoi. Le quoi ? Le monde, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un Malek, il y a que un Malek, on veut dire qu'on est là-dedans, quoi, on baigne là-dedans. On est obligé, on est venu là-dedans, c'est tout. Dire non au mal et prendre le bien. Si c'était tout non, il n'y a pas de problème, je vous dis. Retour à la caisse départ. On s'emmure, il y a ici quelqu'un, mais un charim comme ça, il est emmuré, et on lui donne à manger par une fenêtre, il est... Ouais, il sort jamais. Ouais, il sort jamais. Il étudie, il prie, ils sont jamais dehors. Hein? C'est pas bon. Nous, on n'est pas là pour ça, en tout cas. On doit se confronter. Nous, on doit monter sur le ring. On ne peut pas faire autrement. Il y en a qui vont voir un match de boxe, ils peuvent dire, mais à quoi ça sert, ça ? Si vraiment il n'aime pas, pourquoi il ne prend pas un fusil ? Ça sera plus rapide. Pourquoi tout ce truc-là ? Et se faire un peu mal là, un petit peu mal là, un petit peu mal là, ça y est, on termine et c'est tout. S'il ne l'aime pas, il dit non, mais tu n'as rien compris. Tout le charme, c'est ça. Tout le charme, c'est qu'il lui casse le nez, après il lui casse l'arcade sourcilière, après il lui fait ça, il lui donne un coup dans le ventre, et lui il pleure, et il revient, et il met de l'eau sur ça. C'est ça, tout le. Tu n'as pas compris le sport. Pourquoi il court de la balle ? Donne-le la balle. Voilà. Ce qu'il dit pour le ballon, il dit, il comprend pas. S'ils aiment le ballon, pourquoi ils donnent des coups de pied ? Et s'ils n'aiment pas, pourquoi ils courent derrière ? Il comprend pas. Il regarde le foot, il comprend pas ce que c'est comme sport. Alors ça, c'est pareil. Il y a des gens, ils voient ce monde, ils disent, attends, Hachem, tu m'as mis dans un monde, je dois manger, je dois sortir, je dois aller à la banque, je dois faire ça, je dois me travailler, je dois me marier. Et après, je vais payer l'addition si je n'ai pas fait ça comme il faut. Prends-le, ton monde. Mais je me mets sur la touche. Je dis, non, tu ne peux pas. Tu es obligé. Tu es obligé de rentrer dedans. Tu es obligé de rentrer dedans et tu dois te comporter comme un juif. Tu vas à Malek qui va venir, il va te tenter. Et des fois, tu vas prendre des claques et des fois, tu vas lui mettre des claques. Yoshua, il se bat contre Amalek et Moshe Rabbeinu lève ses bras. Si Moshe Rabbeinu ne lève pas ses bras, alors c'est Amalek qui gagne. Si le tzaddik il monte pas, alors ça y est, c'est Amalek qui gagne. Parce qu'Amalek en possibilité, c'est-à-dire en connaissance de ce monde, il est beaucoup plus fort que Yaakov. Yaakov c'est Ishtam, Yoshev O'Alim. Yaakov il connaît rien à ce monde par rapport à Amalek. Et quand il découvre ce monde, c'est par des chemins qui sont complètement autres. Ce n'est pas du tout le même chemin. Mais Amalek, c'est un connaisseur de la matière. Il sait exactement comment ça marche. Donc quand il vient te vendre quelque chose, lui, il sait exactement comment te présenter l'article, qu'est-ce qu'il faut toucher comme fibre, etc., pour que la personne elle soit d'accord. C'est un vendeur, c'est un vendeur de ce monde. Mais il te vend le monde sans Hachem. Il te vend tout. Mais il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Il t'étonne comment, il t'explique comment on peut vivre sans Hachem. Il te donne une méthode, un mode de vie sans Kadosh Baruch Hu. Et même la fin, après, tu sais, à la fin, c'est mieux que tu brûles tout. Parce que qu'est-ce que tu vas te perdre de temps, manger par les verres, les trucs, qu'est-ce que tu vas rester, une tombe, ça coûte, et après on risque de te déplacer. Pourquoi tout ça ? De la cendre, tu jettes à la mer, puis c'est tout. De toute façon, qu'est-ce qui va rester de toi ? Rien. Même ça, même des os dans la terre, ils ne le laissent pas. Regardez, l'année dernière, toi, on a prié pour un juif, combien on a prié à Ouman et tout le pauvre. On n'a pas été zoché, rien du tout. Ses enfants, ils ne voulaient rien savoir. Lui, il ne voulait pas, c'était sa volonté d'être brûlé. Mais ses enfants, il y avait un seul qui a bougé un petit peu, mais les autres, ils ne voulaient pas. Et ils l'ont brûlé, le pauvre. Alors, de ce côté de la barrière, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et de l'autre côté de la barrière, c'est... C'est Hachem Ishmor ce que c'est. Mais Amalek, lui, tout son union, c'est qu'il travaille sur les gens qui n'ont pas des mounas. Donc du moment où tu n'as pas des mounas, tu crois qu'à ce moment-là, tout est fini. Maintenant, si tu arrives à faire comprendre à quelqu'un qu'à ce moment-là, tout commence, c'est pas tout fini. C'est ici que c'est fini. C'est ce monde-là qui se finit. Mais c'est après là-bas que ça commence la vraie vie. La vraie vie, elle commence après ça.
Mais si maintenant tu arrives à faire comprendre ça à quelqu'un, il a tout compris. Ça. Il dit ici à Améa Charim une blague, il dit qui est-ce qui se rend compte le plus à Améa Charim? C'est les chats et la famille Eisenbach. Tu les as vus maintenant avec les Streimer. Il est mort il y a quelques semaines, le vieux Eisenbach, il a plusieurs milliers de petits-enfants. Il ne les connaît pas, c'est pas impossible de les connaître. Plusieurs milliers de petits-enfants. Hein? Il ne les connaît pas, comment vous allez les connaître? Quelqu'un, il a 2500 petits-enfants, il va les connaître. Et c'est une ville, c'est un quartier. Hein? Mais ici, parce que dans le monde, il y a le club du troisième âge, mais à Charim, il y a le quatrième âge. C'est-à-dire ce que vous voyez ici, vous voyez le grand-père, il a 95 ans, et il marche avec son petit garçon qui a 78 ans ou 75. Et après il a son petit-fils qui a 55. Après, son arrière-petit-fils, il a 35. Et son arrière-arrière, il a 25. Et comme ça, ta 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 ta. Moi, ça, c'est des hommes d'affaires. C'est des gens, ils ont fait des grosses affaires dans leur vie. Parce que c'est des gens, ils savent que c'est après que ça se passe. Hein? C'est vraiment une blague ou c'est un peu comme ça? Oui, c'est une blague qui dit Améa Charim. Non, mais c'est vrai. Eisenbach, c'est vrai. Tu vois ici n'importe où, tu trouves d'Eisenbach. Eisenbach, c'est une famille, il y en a des partout. Hein? 900 petits-enfants, plusieurs milliers, m'a dit mon fils, de petits-enfants. Des familles Bléana énormes. Ça, c'est des gens qui ont commencé à investir sur après la tombe. Mais regardez Amalek, ce qu'il arrive à faire brûler quelqu'un, chamichement. Qu'il arrive à lui vendre cette marchandise-là. De lui dire, voilà, tu, comme ça, tu es tranquille. Il y avait même, je crois, quelqu'un qui avait fait dans l'espace, je crois. Il y avait quelqu'un qui avait payé un truc comme ça, une très grande somme d'argent pour que les cendres elles soient pas jetées stam à la mer ou truc, que ça soit un vaisseau spatial, un vaisseau spatial qui l'amène en dehors de la truc là, de l'orbite ou je sais pas quoi, et que là-bas il lâche ses cendres. Et ça coûtait des millions de dollars de faire ça. C'était une femme qui était très riche, et voilà ce qu'elle a voulu quand elle est morte, que ce soit un vaisseau spatial qui emmène ses cendres en dehors de l'orbite, et là-bas que ça soit jeté là-bas. Regardez Amalek ce qu'il peut faire, mais c'est de quoi se plier de rire, c'est incroyable. C'est une blague, et comment il peut se moquer des gens? Mamache, comment il peut se moquer des gens? Alors cette conscience-là, si on ne l'entretient pas, si on ne fait pas un travail, on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas parce qu'il nous vide de l'intérieur. Il nous enlève l'énergie de l'intérieur. Il nous fait faire des choses sans arrêt qui nous font croire qu'on est comme ça, on est comme ci, on est comme l'autre. C'est très difficile. C'est une milchama. Tu as raison, M. Cohen. C'est épuisant, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné le Shabbat. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné le Shabbat. Le Shabbat, c'est notre seul jour de repos. C'est le jour où y a pas, on ne monte pas sur le ring. Amalek, il est supposé nous laisser tranquille, le Shabbat. Il n'a pas le droit d'intervenir, le Shabbat. Donc ça, c'est quelque chose, déjà, on peut se reposer un petit peu. Shabbat, Vaynafash, il nous laisse tranquille. Et on a du bon manger, on étudie, on prie avec la famille, on chante, on est content, etc. Oublie-nous un petit peu, laisse-nous. Dimanche, on remonte sur le ring. Motsé Shabbat, on remonte sur le ring. On attaque. On reprend. On a Shabbat, bon, Hachem, on prend des forces. Sinon, c'est vrai que c'est épuisant. C'est quand quelqu'un a une conscience comme ça, c'est épuisant. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, des contradictions et se battre. Et est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. C'est très, très dur. שיוזו מתנחה שיונק מהם ואז נתקללה אדמה בעבורו. Maintenant, à cause de ça, la terre, elle a été maudite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qui est-ce qui a pris le plus dans le problème d'Adam Harishon? Quand vous prenez les règnes, qui est-ce qui est le plus perdant? C'est le dernier, parce que le dernier, comme il était déjà le dernier, qu'est-ce qui reste après le dernier? Il reste plus rien. La terre, c'était le dernier niveau. Du moment d'Adam Harishon, il est tombé au niveau animal. D'ailleurs, il a pris la place d'un animal. L'animal, il a pris la place de la plante. La plante, elle a pris la place de la terre. Et la terre, qu'est-ce qui lui est resté? Rien du tout. C'est pour ça qu'elle a été maudite, la terre.
Elle a eu la même klala qu'Adam Arishon. C'est sur elle qu'est atterri le plus le problème d'Adam Arishon. Les autres, ils sont arrivés plus ou moins à s'adapter, à faire un ulpan là-bas ou quelque chose pour essayer d'apprendre la langue et de se débrouiller un petit peu. Mais la terre, elle ne pouvait pas descendre plus bas. Donc qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a été maudite. C'est la terre qui a le plus pris. Ça, personne ne se pose cette question. Je demande pourquoi ce n'est pas les plantes ou les animaux. Pourquoi c'est la terre? Pourquoi c'est la terre qui a reçu et qui a pris le plus de la malédiction? Parce que c'est le dernier niveau. Comme c'est écrit, qu'est-ce que fait Amalek? Kol anechshalim acharecha. Amalek, il attaque les faibles. Amalek, il attaque pas les forts. Il n'a pas de temps à perdre. Il attaque les faibles. Il attaque les gens qui sont eux-mêmes déjà dans un judaïsme mitigé. Et ils sont toujours en train de danser entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Un jour, il est là-bas, et un jour, il est là-bas. Et un jour, une heure là-bas, et une heure là-bas. Et une partie de sa vie comme ça, une partie de sa vie comme ça. Alors là, lui, il récupère chez lui. Mais celui qui est sorti, qui a une force mentale, qui a compris qu'il y a Hachem dans le monde et qu'il y a une connexion avec Hachem, il perd son temps avec lui, ça ne l'intéresse pas. Donc plus le niveau est bas... Lui aussi, il a des épreuves, c'est Vada, et c'est que lui aussi, il a ses épreuves. Mais ce n'est pas les mêmes qu'un gars qui tout le temps, il est au-dessus du ravin et il tient avec une petite corde. Et de temps en temps, il lui dit, ça va, il tire un peu sur la corde ou bien il la scie, tu vois un petit peu, il voit les fils qui partent un peu à chaque fois. Le gars, ça l'angoisse vraiment, il est vraiment angoissé. Quand tu es faible, il angoisse vraiment Amalek. Mais quand tu es fort, il y a des gens qui ont une force mentale. Tu vas voir chez les religieux, dans le monde ashkénaze, tu vas voir des gens qui a une détermination dans leur tête, mais c'est quelque chose, ça, quand tu ne sais pas ce que c'est, ça fait peur. Tu vois la détermination de l'individu. Qu'est-ce qu'il est capable? Le gars, il est à l'aéroport, il a besoin de faire Netilat Yadayim. Le gars, il peut prendre tout l'aéroport entier et il va le retourner, mais il va faire Netilat Yadayim avec un verre. Là, tu peux être sûr. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas c'est fermé, ou il n'y a pas. Il va aller jusqu'au bout, il va faire tous les bureaux de toutes les compagnies aériennes, tout. Mais ce qu'il doit faire, il va le faire. Parce que le cerveau, il y a des choses qui sont 100%, pas 80. Mais il y a celui qui est comme ça, il dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais un peu ce robinet, tu prends un peu de... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on est en voyage, on n'est pas... Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont le judaïsme, il est mitigé jusqu'à un certain niveau. Cela, il se casse pas quand il peut pas. Hein? Cela, il se casse pas quand il peut pas. Ça dépend. Ça dépend dans quelle chose. Ça dépend. En général, et si tu veux, les gens ils sécurisent pour être déterminés dans des choses qui sont possibles. Pas dans des choses dans lesquelles il y a un safek que peut-être un jour ils pourront pas le faire. Ils sont sûrs que ces choses-là ils peuvent les faire. Donc ils y vont. Mais celui qui est mitigé. Tu sais, mitigé, ça commence depuis la liste permise du consistoire jusqu'au mariage avec le goy. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Il aime les juifs. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ouais, il met la kippa, il respecte, il vient à la synagogue, il s'assoit. Et il y a même des gens, même des fois des gens de chez nous, malheureusement, ils parlent à la synagogue, lui, il ne parle pas. Non, il y a tout. Amalek, il te vend de tout ce que tu veux. Il te donne le. Tu veux vendre quelque chose, il te donne toute l'argumentation pour le vendre. Il n'y a pas de problème. C'est Milchama, c'est pas pachoud du tout. C'est vraiment pas pachoud du tout. Nous, si on n'avait pas touché le fond du Olam Hazé, jamais on aurait pu s'en sortir. Jamais. Jamais un judaïsme comme ça, un peu moyen, il aurait pu nous toucher du tout. Parce qu'on était trop dans Amalek. Il faut quelque chose qui sorte complètement de ça. Sinon, c'est impossible. Le traditionnalisme, le truc à moitié, ça ne marche plus du tout. Ça ne peut plus marcher. Il y avait une personne de la famille, qui devait se fiancer avec, qui a eu une possibilité de se fiancer avec un juif. Religieux comme ça. Bon, elle est une famille un peu difficile, son côté, elle, sa nationalité, avec un autre, bon, bref. Donc l'autre famille, elle n'était pas tellement d'accord. Même lui, il s'est engagé avec elle et tout, il devait même pas l'écouter. Non, elle est... Oui, non. Sauf, non. Maintenant, elle vit avec un... Elle a fugué, elle est partie, elle vit avec un arabe.
Voilà. Et mon père m'a dit comme ça, m'a dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont bourrés, qui choisissent le mal. Ils choisissent pas le mal, mon ami. Ils ne choisissent pas le mal. Ils ont mis un petit doigt, c'est tout. Quand ils ont rentré le doigt, ils ont vu un petit trou, ils ont mis le doigt. Et ils ne savaient pas que par la serrure, il va le tirer, il va le faire rentrer entièrement. C'est pas qu'ils jamais ils ont choisi le mal, Chas v'Shalom. Jamais. C'est des gens qui se sont fait avoir. Hein, bien sûr, ils sont faibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que l'acte qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas vu la portée de l'acte. Ils n'ont pas vu que quand ils ont commencé à manger de la liste du consistoire, un jour ils vont manger quelque chose. C'est pas grave si c'est pas la liste du consistoire. Ce qu'on fait nous, quand par exemple on mange de l'Aïda Haredit, si on se trouve dans un endroit et tout, on va manger du Ravlando, c'est pas grave, on est en déplacement. Lui, la même chose, il le fait en bas. C'est-à-dire, lui, il a la liste permise du consistoire. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon duel ou très bon. Ça m'arrive, ils n'ont pas du tout maître, ça aussi. Et tac, il laisse passer une fois. Comprends? Donc, il le tire. Amalek, il le tire un peu. Après un autre truc, il le tire un peu. Après un truc, il le tire un peu. Mais ce n'est pas quelqu'un. C'est pas des gens qui sont venus, qui ont été bochers dans le rat, qui ont choisi le mal. Chas v'Shalom, jamais ils ont choisi le mal. Jamais. Mais ils se sont fait avoir, c'est tout. Ils n'ont pas du tout compris la portée de leurs actes. Donc, ils n'ont pas compris que de faire ça, ça amène là. De faire ça, voilà jusqu'où on peut arriver en faisant ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, vous avez parlé d'un chemin, vous comprenez, c'est le bonhomme, puisqu'on doucement, sans s'en rendre compte, comme on dit, de l'instantané, dans le parler de méché. Et puis des fois, c'est fin comme un fil de soie. Il dit, mais c'est quand on tresse les fils de soie, ça devient une corde. C'est ce qu'on a vu ici, c'est les cheveux. Quand ils sont tressés, ça fait une corde très solide. Non, attendez, c'est que voilà, elle avait la possibilité, ça s'est offert, ça s'est ouvert. C'est pas un truc, il fallait qu'elle se batte et dire, regarde, moi je sors de. C'est pas Dan, il faut comprendre une chose. Il faut que tu comprennes. Si tu devais être un breastlever, il faut que tu comprennes une chose. C'est que jamais. Tu peux, la personne, elle ne voit la situation comme toi, tu la vois. Elle la voit comme elle la voit. Pas comme toi, tu la vois. Tu comprends? Quand un enfant, il regarde un paquet de chewing-gum, c'est comme toi si tu regardes un avion ou une Mercedes, tu comprends? Donc, il ne faut pas le juger sur le paquet de chewing-gum. Parce que lui, le rapport qu'il a avec le paquet de chewing-gum, c'est comme toi, tu l'as avec quelque chose d'autre. Tu comprends? Il ne faut jamais mettre tes yeux sur la situation de quelqu'un. C'est pour ça que tu ne peux pas juger quelqu'un tant que tu ne te trouves pas à sa place. C'est pour ça que la Mishnah elle te dit, tant que tu n'es pas à la place de quelqu'un, tu ne peux pas juger. Et même si ta vie, elle ressemble à quelqu'un à 95%, que c'était ton voisin de palier, il suffit d'une chose qui n'est pas la même et toute la vie, elle va être différente. Il suffit qu'une fois, celui-là, il avait une grand-mère ou une tante ou un truc qui était marié avec un non-juif et que le dimanche, une fois, il a été, il mangeait du non-cachère, sa vie est devenue autre chose complètement. Tu ne peux plus le juger. Même si tu as eu la même vie que lui, à la même école, tous les mêmes professeurs et tout, celui-là, il est sorti comme ça et celui-là, il est sorti comme ça. Parce que le Amalek, c'est un spécialiste de la vente. Comprends cette chose-là. Jamais ne mets tes yeux sur la situation de quelqu'un. Il faut que tu arrives, si tu veux juger quelqu'un, il faut que tu sois lui dans sa situation. Et pour ça, il faut avoir une Avat Israël et un Moach aussi. Il faut avoir un cerveau qui est capable de rentrer et de vivre, de simuler la vie de l'autre. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'est-ce qu'il est en train de vivre, tu comprends? Mais toi, tu peux pas, jamais tu peux juger quelqu'un. Jamais. Comme tu es assis sur ton fauteuil, tu vas juger quelqu'un. Quelqu'un est en train de se noyer, tu dis alors mon ami là, il faut nager là. Parce que toi dans ta baignoire tu fais comme ça avec l'eau, lui maintenant il est dans l'océan, ça fait 3 heures qu'il est en train de se... Comme mon père à la Vache à l'homme, une fois il était tombé dans l'océan quand il s'est promené en vélo, et après 6 heures qu'il a passé dans l'eau, parce que les pompiers ne voulaient pas aller, la mer elle était trop, c'était trop dangereux. Alors quand il est sorti après 6 heures de trucs, il était entièrement plein d'oursins et tout, ça a mis je ne sais pas combien de jours avant de lui enlever tous les oursins qu'il avait sur le corps. Il m'a dit, les pompiers, il a fait comme ça pour l'aider à sortir. Alors mon père, il a dit, va-t'en. Bon. Tu pourras juger, et même si tu as vécu ce que l'autre il a vécu, tu ne peux pas le comprendre.
Parce que lui, comme il le vit, d'abord, c'est vivant maintenant, et toi, c'est mort. Donc tu ne peux pas comprendre ce qu'il a vécu. Même si tu dis à quelqu'un, oui, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Tu n'es jamais passé par là. Parce que dès que c'est fini, c'est Hachem Ishmor. Moi, j'étais à l'hôpital, ok? Je peux te dire que quand j'étais à l'hôpital, j'ai compris un petit peu des gens qui sont à l'hôpital. Mais maintenant, tu me dis, tu comprends les gens qui sont à l'hôpital? Je te dirais non. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai été à l'hôpital, c'est du virtuel chez moi. C'est plus là. Je le sens plus dans ma chair, je le vis plus. Comme j'étais là-bas, je sentais un petit peu. Mais dès que je voyais des gens à côté de moi et tout, les pauvres qui souffraient, que leur pansement, ça ne marchait pas, ça ne cicatrisait pas, etc. Ça fait de la peine. Mais tu crois que maintenant, je pense à tous les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de souffrir et tout. Il faut faire, tu veux voir ça, il faut aller à l'hôpital si tu veux voir ça. Et même quand tu vas aller, tu ne vas pas prendre conscience parce que tu es en bonne santé. Tu ne peux pas savoir ce que cette personne-là, elle souffre, ce qu'elle ressent. Ça, c'est un klal dans la Torah. Et ça, il n'y a que Rabbeinu qui peut te donner cette façon de voir la chose. N'importe qui, c'est du virtuel. Donc, c'est du virtuel pour du virtuel. Mais quand tu vis Béhémet, tu vas pouvoir comprendre qu'un Ben Adam, ce qu'il est en train de passer, le pauvre, c'est très, très dur pour lui. Et si une Neshama Israël tombe dans un matzav comme ça, ne crois pas que c'est le fait Bessimra. Ça a été une chose qui entraînait une autre, comme je vous ai raconté le massé du voleur qui était au Beth Amidrash très bien, et il a fini pendu par le roi. Et pour ça, c'était un Tamit Racham, il était au Beth Amidrash, il a dit une fois il va voler, c'est tout. Et une fois, après ça a été une deuxième, et une troisième, et une cinquième, et après le Satan est venu, il a dit je t'ai bien eu. Hein. Et ça a commencé avec une fois, c'est tout. Maintenant, cette personne-là, qu'elle avait une possibilité à un moment de se marier avec un juif et qu'elle n'était pas sûre, etc., ne crois pas que c'est comme toi aujourd'hui quand tu vois cette chose-là. C'est une autre personne, c'est une autre façon de voir, c'est autre chose complètement. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est prendre son nom et te lever à Khatzot, parce que si tu n'as pas envie de te lever pour toi, au moins tu peux te lever pour une neshama comme ça, que la pauvre, elle est en train de souffrir, et tu fais un pidyon, et tu allumes un air, et tu demandes aux tzadikim qu'ils la sortent de là-bas. Parce que c'est une prison, et les tzadikim, ils ont les clés de toutes les prisons du monde. Et Rabbeinu dit que Tikkun Khatzot, c'est un pidyon. Rabbeinu dit que c'est un vrai pidyon. Quand tu te lèves à Khatzot, tu libères des gens. Maintenant, on ne peut pas te le montrer, sinon tu vas exploser de gaava. Tu vas devenir les ballons de Corel, là. Tu sais, en couleur, là, tu vas monter en orbite. Donc, on ne peut pas te montrer ce que tu fais. Mais chaque Khatzot que tu te lèves, Rabbeinu dit que tu deviens le créancier de l'humanité. C'est-à-dire tu sauves des âmes qui sont prisonnières, mais on ne te les montre pas. Maintenant, on ne te les montre pas. Après, tu vas voir tout ce que tu as sauvé et tu vas pleurer d'une seule chose, c'est que tu n'en as pas fait plus, c'est tout. Mais que tu en as sauvé, ça c'est sûr. Chaque ratsot que tu lèves, tu te lèves, tu sauves des gens. Et surtout quand tu connais des gens, quand tu sais qu'ils sont dans des matzavim comme ça, des situations terribles, qui te font souffrir. Imagine-toi, toi, que ce n'est pas ni ton fils, ni ta fille, ni ta soeur, ni ta mère. Tu comprends? Regarde ce que ça te fait. Imagine-toi, Kadosh Baruch Hu, que c'est lui-même, c'est une partie de lui-même, cette personne-là. C'est une neshama, c'est une partie d'Hachem. Imagine-toi le tsar qu'Kadosh Baruch Hu, il a comme ça des milliers. Ce n'est pas un. Alors quand toi, tu connais un, tu as une rishima, un petit carnet, tu prends dans ta poche un petit carnet. Tu mets des noms. Au début, il n'y a pas beaucoup de noms. Et après, ça se remplit. Et après, ça devient tes amis. Ils t'attendent tous les jours. Ils attendent que tu fasses quelque chose pour eux. Tu me prends? Tous les jours, ils attendent. Voilà. Et ça se rajoute à chaque fois. Et celui-là, et celle-là, et ça, et ça, et ça. Et voilà, tu ne peux pas faire mieux que ça. Mieux que ça, tu ne peux pas faire. Une pièce à la tzedaka pour eux, une petite bougie, tikkun khatzot. Akash Bokhu, Pidyon, tu as la formule du Pidyon de Rabbeinu, tu prends une petite pièce, maman Shekel, et tu commences les noms. Allez, un après l'autre. Libère celui-là, libère celle-là, libère celui-là, libère celle-là. Aide-le à sortir, aide-le à monter en Eretz Israël, aide-le à se marier, aide-le à guérir. C'est tout ce que tu peux faire, tu ne peux rien faire de mieux que ça. Tout le reste, c'est après de l'à peu près. Mais ce que Rabbeinu te donne comme tikkunim, c'est précis, c'est pas de l'à peu près. Quand Rabbeinu te dit que Tikkun Khatzot c'est un pidyon, tu peux être sûr que c'est un pidyon. Parce que quand tu te lèves à Khatzot, sur quoi tu pleures? Tu pleures qu'Hachem il n'a pas de maison, d'accord? Le fait qu'Hachem il n'a pas de maison, tous les juifs ils n'ont pas de maison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de maison?
Ça veut dire que quelque part, il ne colle pas au comportement qu'on attend de lui, soit dans l'habillement, soit dans le mariage, soit dans l'éducation de ses enfants, soit dans la nourriture, soit dans la parnassa, soit dans l'habitation qu'il a. Il y a quelque part où sa maison, c'est-à-dire son emballage, il est cassé quelque part. Alors il y a l'emballage de toute l'humanité, qui est la maison d'Hachem, qui est le Beth Amikdash, et il y a la maison de chacun. La maison, c'est ses formules de vie qui sont cassées. Donc quand tu te lèves à Khatsot et tu viens consoler Hachem, c'est sûr que tu reconstruis des maisons. C'est pour ça qu'on te dit « Ro'e bebiniana », tu vas voir la construction du Beth Amikdash. Tu vas le voir, pourquoi? Parce que tu vas voir « celle-là, Julie Ben Mazal, celle-là comme ça, et celle-là comme ci, et celle-là comme ça. » Tout cela, tu leur fais reconstruire leur maison, qu'ils trouvent une petite maison quelque part. Un foyer, à se marier, à une parnassa, que leur tête elle revienne, qu'ils arrivent à trouver la joie dans la vie, n'importe quoi, la refoua, tout ce qu'ils ont besoin. Le Ham Israël, il est cassé. Regarde ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'en Eretz, c'est le premier, et par rapport à trucs dans les trucs gays, là, c'est pratiquement les premiers au monde, tu comprends, dans les trucs des gays. Alors maintenant, regarde où on est, regarde où il est le Ham Israël, dans quoi ils les ont emmenés. Regarde où ils ont emmené le peuple juif. Alors maintenant, tu te lèves à Khatsot, tu sais comment tu le calmes à Kadosh Baruch Hu, tu dis Ah, il y en a, bon, Hachem, ils n'ont pas tous perdu la tête. J'en ai quelques-uns comme ça dans le monde. J'en ai 50, 100, 200 dans le monde comme ça. Ils n'ont pas perdu la tête. Comme Avraham Avinu nous l'a dit, alors pour les, s'il y a 50, c'est à 50, d'accord. S'il y a 40, 40, d'accord. 30. C'est pas quand Hachem il dit je laisse, ça veut dire bon, allez, je fais comme si je les ai pas vus et qu'ils ne me cassent pas la tête. Non, Hachem il va tout leur donner. Si Hachem il dit je les laisse en vie, ça veut dire parnassa et mariage, enfant, tout. Alors maintenant, quand il y a quelques personnes dans le monde qui se lèvent et qui disent Hachem, tu sais, moi je me lève, j'ai pas envie de me lever la nuit, moi j'aimerais dormir, mais je me lève parce que je veux participer à ta souffrance. Moi, je suis petit. Je sens un peu de douleur de ma famille, des gens que je connais, etc. Et toi, j'imagine ta douleur sur tout ton peuple. Alors, à ma petit niveau, aussi pourri que je suis et minable, je veux avoir mon humble participation à ça, c'est tout. Et là, tu commences à faire pour l'homme Israël. Tu n'as pas le temps, ne fais pas. Tu n'as pas envie de te lever pour toi. Lève-toi pour le monde. Ne te lève pas pour toi. Laisse tomber, toi. Okay. Toi, bon, Hachem, tu as une kippa sur la tête, tu mets tes tefilines, tu es marié, tu as des enfants, ça y est, c'est pas un peu plus de bénéfices, un peu plus de moins, c'est pas grave. Mais aider le Ham Israël, des gens qui sont dehors complètement. Tu peux même pas entendre. Je dis, moi, il y a des gens qui m'appellent, ça fait là, j'éteins mon téléphone, je peux plus, il y a des trucs, je peux plus, j'arrive même pas à entendre. Je peux pas entendre. Ça rend fou. La seule chose que je prends, c'est les noms. Au moins, je dis prier pour eux. Ça fait trop mal. Tu ne peux pas entendre des choses comme ça. Imagine-toi, Hachem, c'est tout son peuple qui est dans un matzav comme ça. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Si nous, on ne fait pas, qui est-ce qui va faire? Qui est-ce qui va faire? Qui est-ce qui va faire? Des gens qui sont dans des matzavites, des situations terribles, qui est-ce qui va faire? Bon, Hachem, tu as la santé. Bon, Hachem, tu as un lit où dormir. Bon, Hachem, tu as de l'électricité chez toi. Bon, Hachem, alors tu as dormi 3 heures, 4 heures, tu te lèves, tu fais un petit contrat de saut. Mais tu ne peux pas beaucoup, un quart d'heure, 20 minutes, un petit contrat de saut, pidion, et tu retournes dormir, c'est tout. Et c'est un pidion de Rabbeinu, tu sais ce que ça veut dire, un pidion amiti. Un pidion amiti, un rachat amiti, tu rachètes des âmes. Tu fais du business, tu rachètes des âmes. Ton réveil, il rachète des âmes. On a dit, attendez, combien qui sont levés ce soir? Combien? 146? Bon, allez, on va sortir 1000. Et combien? Ah, ils sont pas levés. Combien? Que 70? Bon, on s'excuse. On croyait qu'on allait vous libérer, mais ils ne sont pas levés là. Alors que 300. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors imagine-toi, quand Rabbeinu il prend l'argent du gars pour son pidion et la personne elle est en train de mourir, et Rabbeinu il soupèse l'argent et lui dit non, cette pièce-là elle n'est pas assez lourde, amène une autre pièce, jusqu'à que Rabbeinu le met sur la balance en haut, et il dit allez, tu peux partir, c'est bon. Elle a guéri. Rabbeinu te donne des kelim niflaïm, mais seulement nous, dans notre tête, on est minable par rapport à ces choses-là, tu comprends? Mais si on a confiance en lui, tu vas opérer des choses extraordinaires dans le monde. Tu vas danser de joie pour l'éternité après. Tu vas voir le bien que tu as fait dans l'humanité, tu vas danser de joie pour l'éternité. Et c'est facile, c'est pas difficile. Quand tu connais le rapport sur investissement, tu vas voir que c'est facile.
C'est très facile, puisque quand tu dois prendre l'avion, tu te réveilles. Donc ça veut dire que c'est pas un problème de... C'est juste un problème de connexion. Puisque maintenant, un petit avion bidon, que tu peux changer ton billet pour le lendemain, et même si tu as raté des rendez-vous et tout, où ça va aller? Tu te lèves pour ça et tu as peur d'arriver en retard et de rater le taxi, etc. Et ça, que tu vas sauver des gens qui sont emprisonnés, qu'on va aller leur ouvrir les prisons. Regarde, regarde les Remazim, regarde Hachem, il te montre un juif. Regarde, on a donné 1000 et quelques prisonniers. Un juif, il a fait sortir 1024 de prison. Un juif. Pour te dire, regarde, un juif. Imagine-toi que chaque fois que tu te lèves à Khatsot, tu fais sortir que même 10 personnes. Chaque fois que tu te lèves. Mais regarde ce que c'est. Chaque soir, tu vas, tu ouvres. Tac, tac, tac. Tu libères des gens. Celui-là, il ne va pas se marier. Il ne va pas faire un mariage qui est pas cachère. Et lui, il ne sait pas pourquoi. Et l'autre, il ne sait pas. Personne ne sait pourquoi. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Et là-bas, tu sais noter, monsieur un tel, il s'est levé, telle date, il a fait pigeon, etc. Donc ça, ça a été utilisé pour libérer un tel, et un tel, une telle, un truc, etc. Le Khatsot, c'est un pigeon. Mais tu fais un pigeon, bien sûr. Mais comme ça, ils font tous les Breslevers. Tous les Breslevers, ils ont fait comme ça. Que ce soit Rav Levi Yitzhak, Rav Israël Ber, tous les Rav Shmuel Horowitz, tous, ils faisaient ça. Ils se levaient à Khatsot, Rav Levi Yitzhak, il écrit toutes les nuits, à Tratson, je te fais pigeon. Il écrit à Rav Tzvi Yosef Vassilisky. Il dit, voilà, je te fais pigeon tous les soirs et Tratson, à Khatsot. On a des moyens, ne crois pas qu'on n'a pas des moyens. Et on a une responsabilité. On ne peut pas dire, non, on a la belle vie, ouais, Jérusalem, truc sympa, truc. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si on est là, c'est parce qu'on a dit, au moins ces gens-là, peut-être ils ont au moins un peu d'honnêteté, un petit peu de cœur, quelque chose, qu'ils vont faire quelque chose pour leurs frères. Peut-être qu'ils feront quelque chose. C'est uniquement pour ça qu'on nous a choisis. Je crois que c'est notre tête c'est pour notre tête qu'on nous a choisis. C'est parce qu'on s'est dit, peut-être que ces gens-là, ils vont faire quelque chose. Peut-être qu'ils vont faire. On a confiance en eux. Ils ont l'air sincères, etc. Ah, maintenant, tu ne peux pas sortir du lit, mazé. Regarde les Breslevers, tu prends Avraham Sternhardt, tous des gens comme ça. Il n'y a pas jusqu'au dernier jour de leur vie. Ils étaient à l'hôpital. Rav Sharon Sternas, ou je ne sais pas si c'était Rav Shlomo Wexler, il était à l'hôpital avec tous les tuyaux. Il dit quoi, Khatsot, je ne vais pas au mikvé? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ok, d'accord, ouais, bien sûr, pas de problème. Khatsot, il enlève tous les tuyaux, il met son manteau, il s'en va, il va au mikvé, il revient. Un d'abord Kazé qui ne va pas aller au mikvé, ça n'existe pas à Khatsot, tu comprends? Ça n'existe pas, c'est tout. La vie sans ça, ça n'existe pas. C'est tout. Mets des tuyaux, mets ce que tu veux. Mais moi, où je vais au mikvé, où il n'y a pas de vie. C'est comme ça, c'est tout. Alors, quelqu'un qui est habitué à Khatsot, c'est comme ça. Tu vois, les Breslevers, Rav Israël, j'ai dormi avec lui quelques nuits. Je peux te dire qu'il n'y a pas de réveil, il n'y a rien du tout. Khatsot, Avom, c'est Khatsot, c'est tout. Il n'y a pas besoin de réveil, il n'y a besoin de rien du tout. Tu comprends? Parce que c'est des gens, ils vivent cette chose-là. C'est les moments les plus élevés de la journée, de la vie. On a tout l'hiver que Rav Pinchas de Koretz dit que c'est des nuits d'or. Des nuits d'or. Rav Levi Yitzhak m'a dit, tu peux devenir un milliardaire en pleuvant à Khatsot. Un milliardaire, tu peux faire des bénéfices énormes. C'est-à-dire tu peux avoir des âmes que tu as sauvées. Nous ici on a un petit groupe et tout, mais tu peux avoir des milliers d'élèves à toi, ils sont à toi. C'est des Neshamot, c'est toi qui les as libérés de prison. C'est toi qui as payé leur caution et tu ne sais pas. Et eux, ils ne savent pas, et toi, tu ne sais pas. Mais un jour, il y a la rencontre après. Et là, tu vas savoir. Et là, tu pleures après. Et après, tu pleures, parce que tu dis quoi? Moi, oui, toi, tu avais un rave qui t'a dit de faire ça, pourquoi tu ne l'as pas écouté? Tu as un rave. Ce rave, combien il a d'élèves dans le monde? Combien d'élèves il a dans le monde? Pourquoi il vous a amené à Rosh Hashanah? Pourquoi vous allez danser du disco? Pourquoi il vous a amené à Rosh Hashanah? Il est à Rosh Hashanah pour que tu commences à faire ce qu'il t'a demandé de faire. C'est pour ça qu'il était, parce qu'il te prend comme agent. Maintenant, il n'a pas trouvé des gens normaux. Il amène que les fous. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Les gens normaux, ils ne veulent même pas écouter Bichlal. Rabbi Nathan, il dit dans la Kadama du Chaim Oran qu'il ne peut même pas parler de Rabbeinu. Il dit, il y a tellement eu de machloket sur Rabbeinu. Il dit, je ne peux même pas parler, je ne peux pas dire Beferouche les choses. Parce qu'il y a eu trop de machloquettes sur lui, et ça va faire comme graver la machloquette, alors je ne peux pas. Mais je dis quelques remazim qui suffiront à celui qui cherche Béhémeth à imaginer un petit peu qui c'était Rabbeinu.
Mais aujourd'hui, c'est plus pareil qu'à l'époque de Rabbi Nathan. Aujourd'hui, il n'y a même pas de marloquette pour dire, tu peux parler aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux, les gens ils sont malades, c'est fini. Tous les gens ils sont malades, ils n'ont plus de problème avec ça. Mais il faut écouter le Rav. Et c'est au moins, on ne peut pas, il faut prendre un zman chaque jour pour demander à Kadosh Baruch Hu, utilise-moi. Utilise-moi pour le tikkun du monde, pour la réparation du monde, je t'en prie. Utilise-moi. Regarde, j'ai un corps, j'ai une âme qui sont là, je peux faire des choses. Utilise-moi. Fais-moi travailler, je demande que ça. Aide-moi à me coucher tôt, aide-moi à avoir l'envie de me lever, avoir la force de me lever. Il y a le rouard de David Ameler qui souffle dans le Kinor à Khatsot. Allez, mais, aidez-moi, je veux servir à quelque chose. Tu crois qu'on a besoin de toi pour aller regarder les news dans Internet? Pour ça, il y en a pour HM des millions qui font ça. Tu n'as pas besoin de toi pour ça. On a besoin de toi pour faire des choses que personne ne peut faire. Et ça, Rabbeinu, il donne des etzot pshutot, simples, mais qui sont des bombes atomiques dans la vie. On ne peut pas imaginer, mais après, comme il a dit Avaron Kiblitcher, quand ils ont accompagné ce Breslever, il était tellement pauvre qu'il avait un bout de paille, il faisait sa ceinture, il la faisait avec de la paille tressée. Il était pauvre, il est toute sa vie pauvre, malade, et tous les soirs à Khatsot, il était debout jusqu'au matin. Alors quand ils ont été à l'enterrement, il n'y avait même pas minyan. Alors les gens, ils étaient comme ça, désolés et tout. Alors Avaron Kiblitcher, il a dit, vous savez, c'est le Icar, c'est pas ceux qui accompagnent. Le Icar, c'est ceux qui viennent chercher. C'est ça le Icar. Et ça, celui-là, vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend de l'autre côté. Ça, c'est pour vous être sûr. Qu'il a du monde là-bas, des amis, il en a beaucoup là-bas. Pas regarder, les gens, ils l'ont pas connu. Ils l'ont pas connu, c'est pas grave. Le Icar, c'est que là-bas, on te connaisse. C'est ça le Icar. On voit que tu es un travailleur honnête, tu essayes d'aider l'homme Israël. Ça, c'est Khachou. Bon, Hachem, on t'a aidé à toi. D'où t'es sorti? Toi aussi, tu verras qu'il y a quelqu'un qui a payé pour que tu sortes. D'où t'es sorti? Tes copains, ils sont sortis. Tes cousins, ils sont sortis. Tes voisins, ils sont sortis. D'où t'es sorti? De qu'est-ce que tu as fait de plus? Tu as été champion de mobilette. C'est pour ça que tu es sorti. Qu'est-ce que tu as fait de plus que les autres pour sortir? Rien du tout. Il y a quelqu'un qui a payé, c'est tout. Quelqu'un, il a payé la caution. Il dit, allez, monsieur, sortez. Mais attendez, j'ai purgé que 10 ans. C'est fini. Vous êtes libre. Allez-y. Voilà, ça aussi, c'est cette libération de prisonniers. Hachem, il nous montre ça. C'est que pour ça qu'il nous montre. Regardez un juif, ce qu'il peut faire. Voilà, une palestinienne, elle regrette d'être sortie parce qu'elle dit elle avait des soins en prison et tout. Maintenant, là où elle est, on ne la soigne plus et tout. Elle va mourir. Elle est malade. Alors qu'en prison, on s'occupait d'elle. Regarde un juif, ce qu'il a fait, 1024 ou 1026 ou 1027 prisonniers. Alors imagine-toi, si ce n'est pas 1000... Rien que tu fais sortir 10 toutes les nuits, que tu te lèves. Tu te rends compte ce que ça veut dire? 10, qu'après ils ont fondé un foyer, qu'ils peuvent avoir des enfants, qu'ils peuvent faire des mitzvot. Mais c'est des bénéfices, tu ne peux même pas les calculer. Même si tu prends une machine à calculer, tu ne peux pas calculer. C'est des chiffres, tu ne peux pas les calculer. De ce que tu reçois toi, en tant qu'égoïste. Parle pas maintenant en tant que... Rien qu'en tant qu'égoïste, si tu écoutes Rabbeinu. Tout ce que Rabbeinu te dit de faire. Rabbeinu dit des choses simples, mais c'est des choses extraordinaires. C'est des refouot, 40 méodes que Rabbeinu lui donne. Il a choisi ça, et ça, et ça, et ça. C'est tout. Le reste, il ne t'a pas dit. Mais ce qu'il a dit de faire, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter.